On est reparti. Lancement du scan. Faites bon voyage. Apprendre les mules, ça risque d'être... Pour leur piquer un véhicule, ça risque d'être un peu serré. Hein. Putain, j'ai pas tellement le choix. Hein. Ah, je sais pas. Je pense pas qu'ils sont fou nombreux là-bas. On verra. Les gars, je me suis équipé des bottes, vous ne les mettez pas. Mais le jeu, il fait n'importe quoi. Bottes de mule. Mais d'accord, ils sont à moitié niqués. Bon, on va en branler. Allez, vas-y, on continue. Si on arrive pieds nus là-bas, je m'en bats les couilles. Ouais, j'aimerais bien affronter les mules pour leur piquer des bottes et des munitions, des flingues quoi. Donc ouais quoi. Et un véhicule en même temps. Hein. Tant qu'à faire. Donc on va voir ça. Hein. Je vous l'ai dit tout le long. Hein. Pourtant il n'y a rien qui indique. Il n'y a rien qui indique. Hein. Rien qui indique comme quoi il y en a qui vont apparaître ici. Hein. D'habitude il y a les traits noirs, ben ouais, ben là il n'y en avait pas. Donc il faut spoil les trucs ouais, quoi. Au hasard. Quoi. Bref. Il me chope direct. Allez, je suis sorti là. Allez, c'est reparti. Youhou. Quoi, chargé de la sauvegarde? Vas-y, bah oui, chargé. Non mais n'importe quoi. Ouais, je sais, c'est bientôt la fin, espérons-le, croisons les doigts, putain. Arrête de faire ça, putain, cette cinématique de merde, allez. Je sais pas pourquoi t'es à genoux, ce fils de pute, déjà. Je peux rien fabriquer, donc de toute façon, je l'ai dans le cul. Hein. Que bah, ça, je peux pas se passer à gauche, enfin tu vois, il y a le pont. Hein. Ah non, même pas, ils ont détruit le pont. Bah oui, logique. Ouais, on va te faire passer obligatoirement par le passage là. Vas-y, pas de soucis, pédé. Putain. On va faire son truc, allez, fais-le, voilà, fais-le ton truc. C'est le genre de jeu où tu joues une fois mais tu rejoues plus jamais de ta vie. Parce que voilà que. C'est bon. Hein. T'es pas un pigeon putain. On va avancer calmement hein. Ils sont partout.
Je vais couper son cordon médical, fils de pute. Tiens, poussez un peu. Mais qu'est-ce qu'il fait? Putain, j'appuie sur avancer, il donne des... Mais des fois, je vous jure, mais il fait n'importe quoi. Il fait tout pour me faire chier, ce personnage-là. J'ai jamais vu ça de ma vie, moi. Il m'a refait la même chose, fils de pute. Putain, donne un coup de poing au lieu de couper, putain. Tu m'étonnes que le jeu est long, hein, putain. Je sais même pas où il est. C'est bon. Je pense que c'est bon. Alors. Nickel. Devant, putain. Les mules. Genre, il était où lui? Ah, ok, ministre. Sont mes. Sauvé. Oh, la rapidité des gus, ils sont plus rapides qu'avant, hein. Plus résistant aussi. Ouais. Bobo. Nickel. Recharge. Nickel. Thank you.
Oh là, la fusée de merde que j'ai eue. Putain, incroyable, incroyable. Ou en fait, il laisse pas d'armes en fait. Pour tomber des. Bizarre. Bizarre qu'on peut pas récupérer leur arme. On peut récupérer leur véhicule, mais pas leur arme. C'est logique. Hein. Ouais. Je suis encore dans la zone là. Dans leur zone. Je suis tenté quand même d'aller dans leur, base. Hein. Pour récupérer des trucs. Je crois que c'est ce que je vais faire. S'il y a moyen de récupérer des flingues, mais à mon avis, je crois qu'ils auront pas de flingues. Tu me diras, je sais pas. Qu'est-ce que je fais? Je sais pas ce qu'on va faire en fait. En fait, ils sont juste là en plus. Ici putain. Normalement. Elle est où leur maisonnette là? Je sais qu'elle est pas loin. Ouais, elle est juste là, donc je sais pas. Bon allez, vas-y hop, pourquoi pas. Histoire de les fight une dernière fois ces enculés. De leur montrer qu'il y en a eu. Qu'on les a pas oubliés. J'espère récupérer des fusils. Ce sera pas du luxe. Oh là, il bouge bien. Lui, il s'est entraîné toute sa vie, lui. Hop, botte de mule. Ça, il a plus, si. Ouais, il a plus. J'ai dit. Non, ah, boîte terroriste. Oui, j'ai dit boîte terroriste. Non, botte de terroriste. Ouais, vas-y, prends. Prends. Bon, les bottes. Alors, les bottes, je vais les mettre maintenant, même. Mettre des choix, voilà, je vais mettre cela, nickel. Donc ça c'est bon. Alors sur le bottes de théorie c'est bon, je les ai. Ça on va les jeter. On va les charger, voilà. Grenade, faut quand même la garder au cas où. Au cas où. Bon, je suis là. Oh putain, paye. Allez. Bon, alors, il y a quoi? Il y a marchandises perdues, mais il y a que des... Ouais, bah il y a rien quoi. Il y a rien. Voilà. Bon, scanner. Qu'est-ce que je peux trouver ici? Y'a rien du tout. Une grenade fumée, y'a rien du tout, y a pas d'arme, donc je suis venu pour rien en fait. Je suis vraiment venu pour rien après. Allez, scan, t'es un connard de merde. Qu'est-ce qu'il fait? Dites-moi. Putain. Eh, ils ont pas de véhicule? Non, il peut dire, bah tant pis, à pied. Vas-y, on s'en fout, vas-y. Run. Dommage, ils ont pas de véhicule, putain. On s'en fout. Hein. Tant pis. Le bébé il est dead. Quoi ça? Avec un laser rouge. Les méchants ils ont des meilleures bottes que moi, c'est un truc de ouf.
Bah. Peut-on sauvegarder là? Nice. Parfait. Il pleut tout le temps. Il pleut tout le temps. Ouais. Et quoi? J'allais dire. Logique. Je peux rien faire. Allez, saute. Ah. Tu fais quoi? Je peux pas aller, ok, ça roule, j'ai compris. Monte sur ça, s'il te plaît. Tu peux pas? Ok, t'es handicapé. Handicapé de ta mère, la pute. Ok, je voudrais en mettre plus, les gars. Attendez! Comme ça on aurait vu c'était quoi ce laser là, de merde. Et défoncé de... Voilà, okay. Youhou. Oh joli. Oh, il m'a... Regardez, regardez le temps qu'il se met à se lever, qu'est-ce que tu fais? What? Mais qu'est-ce que tu fais, gros? What? What? Le temps, je vous dis, mais ce personnage, mais c'est le pire qu'il y a! Putain! Oh, le personnage, mais de PDXé, mais qu'est-ce qu'ils font là? Allez, avance, putain, j'ai pas que ça à foutre, moi! Y'a d'autres jeux auxquels j'ai envie de jouer que ce putain de jeu de merde là! Connard là, mec, qu'est-ce qu'il fait là? Putain, je vois les où là? Celui-là. Lève ta gueule, tiens! C'est ma bite! Voilà, c'est bon, putain, incroyable! Ok. Fermez tous vos gueules! Ah, c'est bon, on a vu, on a vu. Bon, j'imagine qu'il faut que je recommence, logiquement, non? Je pense que oui, hein, ça serait trop beau, hein. Putain, j'étais à ça de passer un poil de chatte, putain! Un poil de chatte de bite, et je suis sûr qu'il vaut mieux de recommencer. Regardez, allez, laissez-moi jouer, putain, laissez-moi jouer! C'est incroyable, ça, ce jeu, putain! Eh, mon matériau, il est foutu, là, mais putain, tu m'étonnes, il est foutu!
quoi, vas-y pète-toi la gueule, allez, pète-toi la gueule, je m'en fous, j'en ai ras le bol. Ça me casse les couilles, ça putain. Pff, heureusement on est arrivé hein. Putain. Catastrophe, c'est juste catastrophique. Ouais, c'est bon, ça passe, t'inquiète. Ah mais mec, t'es... Putain, il a juste les pieds dans l'eau, le mec. What the fuck, putain. Oh, vive Marc, ça se termine, putain. Vive Marc, ça se termine. Oh, c'est bon, c'est bon. Moi, j'en peux plus, de ce type. J'en peux plus de ce type, putain. Putain. Même pas, je m'en fous, j'ai même pas envie de regarder. C'était quoi ce bruit, je m'en bats les couilles. Allez, avance, tête de pite. C'est reparti. Génial. Génial. Cool. Quelque chose me dit que lui je pourrais pas l'éviter lui. Lui je suis obligé de l'affronter lui. Oh non, son 4, tiens, ouais. Je disais pas, ouais. Eh bon, t'as tué toi. Ah, ça il peut pas remonter un rocher. Allez, vous montez au-delà de la tour là. En deux bâtiments là on sera bien. Allez, raté. Oh bah c'est pas grave, on va recommencer. T'es coincé, tu fais quoi là? Tu fais quoi, tête de pute? Oh là, je sais pas comment je vais faire. Surtout avec le handicap avec lequel je joue. Jouer avec un handicapé, ça va être marrant. Bon alors, tiens, je vais lui lancer ça dans la gueule. Hein. Là, oui. Je vais me couler. Hein. Là... Aïe. Je comprends rien du tout à ce qui se passe, mais bon. La vue, elle est horrible. Je t'ai fait aucun dégât. Aucun dégât, c'est la merde. Range ton arme, je suis mauvais que tu fais. Mais oui, mais putain, mais je peux pas monter. Regardez ça, je suis bloqué par tous les éléments. Je suis bloqué par tous les éléments. Ça y est, l'autre il est en train de faire blou-blou. Je peux pas juste passer et puis basta. Ça, c'est trop beau. Regardez ça, regarde ça. Putain. Et où la baleine? Regarde ça, putain. C'est juste horrible. Est-ce que je peux monter là-là? Ça sert à quoi de mettre un bâtiment si je peux pas monter dessus? Expliquez-moi. Allez, monte, putain! Bon, elle est où la baleine? Prends ton arme, merci. Je vais me couler. Prends ton arme. Voilà, merci. Tête de bite. Incroyable, incroyable.
C'est quoi, vous me donnez l'arme? Merci. Attends. Il avance trop vite, c'est horrible. Bon, alors, on va faire le ménage dans mes inventaires parce que laisse tomber. Je pense que j'ai pas mal de trucs qu'il faut que je jette. Voilà, nickel. Hop, on jette ça. Déchargé, voilà, nickel. Voilà. Je peux réutiliser mon bazooka, moi, ou pas du tout? C'est pas assez de sang, putain. J'ai rien là qui est près de moi là. J'ai des trucs à bouffer, mais. Ouais, c'est des armes qu'il faut. Bah, y en a. Ah, ça va, attends, y'a pas juste. Oh, y'a pas juste ça, il fusille, il est que sa merde. Ouais, viens me dire. Il faudra quand même que j'y aille. Il est où lui? Je suis obligé d'y aller. Je suis obligé d'y aller. J'ai appuyé 50 fois sur le bouton Y. Mais des fois, ça veut pas. Okay. Moi je vais faire pour monter. Ah ouais, pas mal. Okay. Allez, on remonte. C'est bon, j'ai une poche de sang. Non, c'est pas ça que je veux faire. Je veux prendre la poche de sang. BD, ouais. Alors équipé, ouais, équipé, c'est nickel, on fait comme ça. Alors remonte. Bon, il est où? Il y a un truc aussi là-bas. Lance-grenade, oh putain. Ouais. Feu! Oh, ça coule, putain, fait chier, ah, faut chier les gens. Ah non, pas à vous, pas à vous, pas à vous, pas à vous, pas à vous. Tu. Allez, Olive, je vais l'appeler Olive, comme ça sent. Bon, ah, c'est cool, Olive, on va dire, c'est cool. Il est où, ce petit là-bas? Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Lance-grenade, c'est cool, lance-grenade, ouais, d'accord. C'est où? Ah, il y a. Ah, il me reste 8, je suis pas rechargé. Ouais, j'ai pas mis le webcam parce que c'est, sinon ouais, vous me faire chier. Allez.
fait quoi ça, c'est... Chier. Bon. Alors, marchandises, ça j'en ai plus besoin. Ça c'est vide, ça c'est vide, ça c'est vide. Hop, on va faire comme ça, décharger. Voilà. Non. Ouais. C'est quoi ça? Oh, la roquette, oh putain. Putain, j'ai vu là. Derrière toi. Putain, moi j'ai le lance-roquette. Allez. Je pouvais, mais pas. Ah, fils de pute. Tu vas pas me dire que je suis mort, quand même pas. Je suis pas loin. Reprends lance-roquette, voilà, merci. Lance-roquette, il est là. C'est ça, c'est un lance-missile, c'est quoi ça? Ouais, roquette, c'est bon. Il est où? Moi je peux pas tirer, putain! Vous foutez de ma gueule au moins! Oh, j'ai plus de vie, j'ai plus rien. J'ai pas assez de sang. Vous croyez que j'ai pas assez de sang et c'est pour ça que je peux pas tirer? Parce que c'est des munitions avec du sang, non mais c'est incroyable! Que je suis mort. Voilà, 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 et on recommence. C'est chiant, putain. Bref, vas-y, on va pas rager ça, ça ne vient à rien. Bon. Je suis où, hein, putain. Je crois qu'on peut prod des trucs en passant, non, il me semble. Hein. Je suis pas sûr, mais. Alors ça c'est quoi ça? Ah, je peux même pas. Pas des trucs que bah ouais, c'est... Ah si, y'a un fusil à pompe là-bas. Tu peux prendre le fusil à pompe. Je sais plus comment on fait pour... Oh là. Ah oui, c'est comme ça, en fait faut fauter dessus. Quoi. Ok, j'ai pris le fusil à pompe. Là, là oui, y'a un truc, je sais pas. Y'a plus rien à prendre, putain, par un fusil à pompe. Ouais, vas-y. Là, y'a un truc bleu, mais je sais pas ce que c'est. Ouais, faut s'en foutre. Fais chier, fais chier, fais chier. Fais chier, fais chier, fais chier. Putain. Le caramaras, hein. Bon, moi j'aurais peut-être toute ma vie, tout mon sang, T'as rachat en arme, tout bon. Est-ce que tu peux monter sur ça? Non, tu peux pas appeler ça. Oui. Et je vais. Ah, monte sur ça, ça va pas, prends ton arme. Prends ton arme. Voilà, je sais pas ce qu'il fait, mais pense mec. Défonce. Monte. Quoi comme arme? Ouais bon ce qui fait chier que c'est que ça use de mon sang donc c'est normal. C'est pas cool ou pas? Bon bref, ensuite. Il faut je sors là-bas. Il y a l'autre là-bas, il faut que je sors, vas-y, let's go. On va le but. Pas chaud, pas chaud, pas chaud. L'autre grenade, nickel. Problème, nickel. Là oui, il faut que je sors, faut que je prenne. Lâche ton arme, tu vas peut-être plus vite.
Allez, 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 pousse avec tes pieds, pousse avec tes mollets, putain. Le mec qui a fait 1000 bornes, on dirait qu'il a aucun bruit. Nickel, parfait. Nickel bleu ciel, allez, vas-y, monte sur ça, ah, j'y grimpe sur ça, tu grimpes sur ça, ah, qu'est-ce que je fais ? Ensuite, oh, putain, qu'est-ce que vous faites ? Je te mets, ça tu prends comme ça, voilà, ça c'est cool. Là, faut que je prenne une arme, ça sera celle-là, je peux pas, je peux plus, bon, le grenade. C'est vrai, hein. J'ai l'impression que je fais aucun dégât, putain. Ensuite, il y a quoi? Allez, scan, PD. Scan, putain. Pff, ouais, y'a rien, quoi. Prends ton arme, ici. Oh, voilà. Putain, y'a plus de balles, de toute façon, y'a plus rien dedans. Ça, y'en a encore. Reprends ton arme, reprends ton arme. Si s'il te plaît. Tu vas crever vite. Je sais même pas ce que c'est ça. Ça m'a one shot. Ça m'a one shot les gars. Ça m'a one shot. On s'en fout, on peut pas crever. Donc c'est ça qui est cool, c'est qu'on peut pas crever. Donc je m'en bats les couilles. Je m'en bats les couilles vu que je peux pas crever. Bon alors, est-ce qu'on peut scanner pour voir ce qu'il y a autour de moi? J'ai l'impression que je peux rien récupérer, putain. Je vois des trucs bleus là qui s'attirent, mais c'est pas... Ah si, il y a un truc là. Je sais pas c'est quoi, c'est des trucs bleus à la con là, c'est quoi ça? Il y a un truc, mais je sais pas ce que c'est. Ah, c'est... ah ouais, ouais, bon bah c'est rien du tout quoi. C'était de la merde. Bref. Je suis là-bas. C'est quoi, c'est une arme? Non, c'est rien du tout là. Je peux même pas récupérer mes armes, putain. Eh ben tant pis. Putain. Putain, mais la baleine elle se prend aucun dégât, je comprends pas, c'est... Putain, mais... Robot... Allez, monte sur le rocher. Bon alors, j'ai quoi? Oh putain, il y a plus un coup de tout, okay. Alors, ça c'est requête, je peux pas, ça je peux encore, de toute façon je suis oublié. Hasta la vista, baby. Tcha. Bon, normalement elle est dead. Putain, mais attends, mais... Oh, mais attends, mais j'ai plus ma cargaison aussi. Super, vous avez réussi, Sam. Oh, je suis tellement soulagé. Je crois que je pourrais vous embrasser. J'ai bien cru que c'était la fin. Ouais. Alors, qu'est-ce que je vais faire, moi? Sans, je sais pas, ouais, j'ai compris. Se lever. Bon. Ok. La marchandise est dans un sale état. Euh,
What the fuck, mais what the fuck, ce qui vient de se passer, mais c'est incroyable, on s'en fout de toute façon, vu que ça a du sève. Livrer les kryptonites, je sais, mais si l'autre il se casse la gueule tous les 2 secondes, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Putain, incroyable, regardez, il va se réveiller, il va se viander ce PD. Bon, c'est bon, ça j'ai plus besoin. Ouais, vas-y, fais comme ça si tu veux. Hop, hop, voilà. Tu fais comme ça, tu fais décharger, voilà. On fait aussi ça, parce que sinon il va se péter la gueule encore une fois, ce con. Putain. Voilà, on peut y aller. What the fuck? Oh, il y a une poche juste là-bas. C'est clair que je vais les prendre. Hop. Hop, nickel. J'en ai 3. Ah non, mais j'en ai 3 500. Ah, mais c'est parce que je les mets pas dans le truc. Dans le récolteur, putain, parce que c'est vrai que les cristaux faut que je les donne à une station comme ça, mais en fait je le fais jamais. Ok, il y a un véhicule des mules. Qu'est-ce qu'il fout là? Qu'est-ce qu'il fout là, le véhicule des mules? Ah bah non, c'est à moi. Trop chaud, bref. C'est bien là qu'il faut que j'aille ou Ah non, non, faut que j'aille là-bas, ouais. On t'a pas ça avant, on s'en fout. Ah si, si on va faire. Ah bah ben non, mais de toute façon, je peux pas, je crois. On va quand même essayer pour voir. Je sais pas si je peux faire la livraison maintenant là. Je sais pas s'il faut que je la fasse ici. Non, ouais, c'est ce que je pensais. Qu'est-ce qui est privé? Et quoi, il y a grenade là, hein? On s'en fout, ouais, bon, ça pose du temps. Bon, on va vite faire un petit slam. On s'en fout. Vous avez vu, maintenant il prend des douches automatiquement. Alors qu'avant, quand il se réveillait comme ça, bah, il était quand même sale. Ouais. Il était crado. Des crado, des crado. Ouais, c'est beau. Quitte ce truc. C'est. Allez, direction notre dernière destination. Enfin, en espérant que c'est la dernière. Ouais, je pense que c'est la dernière. Ouais. Forcé à faire l'aller-retour. Le bébé il est même pas reposé en fait. Le bébé il est pas reposé. Ouais, la machine elle marche plus donc. Mais ça l'empêche pas de gazouiller donc. S'il reste de bonne humeur, c'est le principal. Putain, là ça fait vraiment graphisme Fallout 3 là putain. Ça c'est pour moi 2 mois que je suis parvenu sur Fallout 3 d'ailleurs. Et je rigole pas. Ah oui, mais bon, ouais, quoi. La base A qui ressemble à la PS5, on peut, tu vois, un peu le design de la PS5. Hein. Ouais.
Youhou! Là on peut bondir. Je sais pas qu'on pouvait faire un double saut, putain. Bref! Quel soulagement que vous soyez là. Ça fait un moment maintenant que Fratz a allé dans le coma. Mais grâce à tous les cryptobiotes que vous avez rapportés, elle devrait vite reprendre connaissance. Et si on a un peu de chance, on n'en aura pas besoin de beaucoup plus pour qu'elle soit de nouveau sur pied. Vous avez assuré, Sam. Sam. Vous revoilà. Le périple a dû être tellement éprouvant, d'autant que vous étiez tout seul. Enfin bref, à présent, toute l'équipe est réunie. Toute l'équipe est là? Derrière Dman aussi. Elle a fait en peu de temps beaucoup trop d'allers-retours entre les grèves et ici. La matière qui râle a contaminé ses cellules. Ce qui a provoqué une espèce de jet-lag au niveau moléculaire. Et résultat, ses mécanismes homéostatiques sont très perturbés. Mais ça va, elle ne court aucun danger. Seulement, il faut vraiment qu'elle se repose. Et il est où le directeur? Il est sous surveillance, dans une autre pièce. Des employés l'ont retrouvé sans connaissance, pas loin du service d'isolement. Comme vous, quand vous êtes revenu de la grève de Cliff. Malgré les séances de décontamination, elle avait besoin de plus en plus de temps pour se remettre. Sam, vous êtes là. Un petit creux. Merci. On dirait que vous avez besoin de moi. En fin de compte. Quoi qu'il en soit, nous devons faire vite. J'ai vu juste. Nous avons Sam. Le super livreur. Le seul à être capable d'atteindre la grève d'Amélie. Vous êtes trop faible pour tenter de faire ça. Ce n'est pas juste envers vous, ni envers Sam. Pendant que je cherchais la grève d'Amélie de mon côté, j'ai réalisé quelque chose de vraiment extraordinaire. Si l'on considère que les grèves sont comme des multivers, la sienne, elle, n'est pas au même niveau que les nôtres. Elle se trouve à un niveau qui est supérieur. Moi, je peux arpenter la grève d'autrui, mais la sienne, je n'arrive même pas à l'atteindre. Elle est invisible et inaccessible, même pour Fragile, je le crains. Visualisez tout ça comme un système circulatoire, si vous voulez. Dans ce contexte, nos grèves sont des vaisseaux capillaires sanguins. Mais la grève d'Amélie, c'est le moteur qui pompe le sang, le cœur du système. Les vaisseaux capillaires sont de simples subordonnés dans cet ensemble. Un ensemble qui est régi par le cœur, qui détermine le sens du courant, qui impose aux autres le flux, qui impose aux autres ses règles du jeu, qui a la main mise sur le reste. Vous comprenez? C'est elle qui détient le pouvoir. Avec un peu de chance, vous arriverez à avancer à contre-courant pour rejoindre sa grève. Mais une fois que ce sera fait, si elle choisit de ne pas vous laisser partir, et si elle préfère vous garder auprès d'elle, elle en est capable. Mais Fragile et Dayardman ont bien réussi à s'échapper de cette grève. Je pense que c'était assez semblable à ce qui vous est arrivé. Je ne suis pas partie parce que je le voulais. J'ai été poussée dehors, ou rapatriée, en un sens, de son fait. Poussée dehors? Pourquoi?
C'est seulement une hypothèse, mais... C'est vous qu'elle veut. Elle veut que vous la rejoigniez. C'est sa dernière volonté. Vous ne croyez pas? Alors ça y est, on y est. Amélie est là, eux, et on entend Fascinal. Bon, je récapitule. Si je veux empêcher l'ultime Death Stranding et revenir en un seul morceau... Faut que j'aille sur sa grève, la convaincre d'arrêter. J'ai bien tout compris? Tout à fait. Et même si vous allez trouver ça un peu cliché... Vous êtes notre seul espoir. Mais très honnêtement... Je crains que vous ne puissiez la faire changer d'avis. Si vous ne pouvez pas la ramener à la raison... Il vous faudra la tuer. Si vous en arrivez là... Vous sauverez le monde. Mais vous resterez coincé à l'extérieur. Pour toujours. Autant rendre ça officiel, alors. Vous êtes prête pour la prochaine livraison? Je vais tenter le coup. Ça pourrait marcher. Enfin, vu l'état de notre monde, ça ne fera que retarder l'inévitable. Mais bon... Si ça nous permet de gagner du temps pour bâtir quelque chose de mieux, prendre un nouveau départ, ne serait-ce que pour un moment. Je connais une femme qui a tiré le maximum d'une occasion de ce genre. Rien ne dure éternellement, pas même le monde. Mais faut le faire tourner le plus longtemps possible. Hein ? On bouche les trous, on remplace les pièces, on bricole. Histoire de dire qu'on a vécu un peu, fait un bout de chemin. Et vous qui n'aimiez pas avoir à prendre soin des choses? Parce que j'avais assez de mal comme ça à tenir le coup. Quand on s'est rencontrés dans la grotte, tout ce qui m'intéressait, c'était de survivre jusqu'au lendemain. Je n'avais vraiment rien à foutre de l'Amérique ou de l'avenir. Je vivais dans le mensonge, obsédé par de vieux regrets. J'étais brisé. Mais à un moment donné, en cours de route, j'ai changé. J'ai fait des rencontres et réalisé que tout n'était peut-être pas si noir que ça. Ces gens ont tout misé sur l'avenir, et sur moi. Ils n'ont jamais abandonné, ils attendaient une lueur d'espoir. J'ai pas le droit à rater mon coup. Je leur dois bien ça. Même si ça implique de ne jamais en revenir? Quoi que je décide de faire, je suis foutu. Prenez soin de nous. C'est promis. Il n'y a qu'une pseudo-mère en état à l'est du relais portuaire. Il en a assez fait. Ça suffit. Très bien, Sam. Je ferai de mon mieux pour que le petit bout retrouve la forme. Concentrez-vous. Aidez-moi à trouver Amélie. Tendez vers elle, Sam. Ressentez-la. Je sais que vous l'aimez.
Vous l'aimez, Sam? La voilà. Eux, ils restent là-bas, mais moi je vais avec, ouais, comme pas ça. Sam. Te voilà enfin. Rentrons à la maison. Tout va bien. Je sais comment faire. Ok. Alors, empêcher l'extraction. Trouver Amelia. Pauvre bain. On peut aller se baigner avec les poils. Rien. J'ai un plan. Ah non, il n'y a pas d'un plan. Bon, il faut trouver Amelia. Quoi. Ah, j'ai plus de bébé, j'ai plus rien. Quoi. Il faut que. Ok, mais vous la trouvez, mais où? Comment on fait? Elle est pas là-bas? J'ai cru voir quelque chose. Une ombre. Oh, le mec est déjà crevé. Quoi? T'as sous ma gueule, lui. Il a fait trois pas, c'est bon, le mec était... Non mais attends, il se fout de ma gueule. On se fout de ma gueule, non mais, sérieusement. Putain, c'est quoi ce délire? Non mais c'est elle qui m'a trouvé, d'accord, ok. Pas mieux. Falling down, London Bridge is falling down. My fair lady. L'ultime Death Stranding est en marche. Amélie? Tu arrives trop tard. Pourquoi as-tu été si long? Cette voix. Tu ne sais toujours pas qui je suis, n'est-ce pas? Et qui tu es? Sam. Je savais que tu reviendrais.
Je t'attendrai sur la grève. Ça fait longtemps que je t'attends. Je n'ai pas bougé depuis ce jour. Je comptais sur toi pour m'arrêter. Mettre un terme à tout ça. Bridget. Oui. C'est moi, Sam. Oui, Amélie. Là où elle a toujours été. Nulle part. Ma fille Samantha America Strand n'existe pas. Amélie n'existe pas? Pas dans ton monde. Je suis désolée, Sam. Il a fallu que je porte un masque tellement longtemps. Amélie et Bridget, elles font toutes les deux partie de moi. Ça veut dire quoi, ça? Ne dis rien, laisse-moi parler. L'heure n'est plus aux questions dorénavant. Écoute-moi. Écoute-moi bien. On écoute. En fait, c'est sa mère, putain. Tu arrives à comprendre, Sam? Amélie. Et Bridget, ce sont seulement des noms. Parce qu'avant tout, je suis un agent d'extinction. Alors, à présent que tu sais tout ça, deux choix s'offrent à toi. Le premier, c'est me faire descendre. Tu ne rentrerais pas si ça t'arrivait ici. Tu irais directement dans l'au-delà. Mais non. Ce n'est pas une de tes options. T'exécuter serait la pire des choses à faire. Ça, je le sais mieux que personne, ça. L'ultime Death Stranding a commencé. Il s'est déjà constitué un abysse à partir de ma grève. Mais aussi de celle de tous les habitants d'Amérique. Et il sera bientôt inondé par un énorme afflux d'antimatière qui partira d'ici. En un clin d'œil, ce monde disparaîtra. Anéanti par une explosion. Un Big Bang. Et donc, ça nous amène à ta première option. Ne rien faire. Rester ici avec moi et être spectateur de la fin de tout. Regardez le monde brûler. Rien que nous deux, toi et moi. Jusqu'à ce que la dernière flamme s'éteigne. Ça n'a pas l'air si déplaisant, si. Le monde n'en a plus pour très longtemps. Tu as aussi une deuxième option. En réussissant à étendre le réseau, tu as unifié les gens et leurs grèves et tu les as intégrés à un ensemble plus vaste. Tout comme ce Kippo. Mais dans le même temps, tu as instauré un lien entre eux et ma grève. Précisément celle dont j'ai ouvert les portes, menant à l'autre côté. Tu ne peux empêcher ce qui va arriver. Mais si tu nous détaches, ma grève et moi, tu dois pouvoir éviter que ça s'étende. Et ainsi tu éviterais l'ultime Death Stranding. Et l'humanité ne s'éteindrait pas aujourd'hui. Alors on peut empêcher tout ça? Hélas, non. La grève est condamnée dans tous les cas. Regarde un peu autour de toi. C'est pourquoi nous devons couper notre connexion. Ça suffira. Ça arrêtera le Death Stranding. Rien ne pourra empêcher l'inévitable.
La sixième extinction aura bien lieu, que ce soit aujourd'hui ou demain. Tu peux choisir d'en finir avec dignité, d'un seul coup, facilement et rapidement. Ou alors de te démener en vain, tout en sachant pertinemment ce qui t'attend à la fin. Ce sont tes deux options. Tu l'as conservé tout ce temps. Il te reste peut-être encore une chance d'arrêter tout ce cauchemar. Tu as réussi à réunir le monde. C'est normal que tu aies le droit de choisir. Ou tu tires la corde, ou tu coupes le nœud coulant. Mais quoi que tu décides, surtout n'hésite pas. Je suis prête, Sam Strand. Le choix t'appartient. Mais attends, je sais pas quoi faire, moi. Si, tu le sais bien. Après tout ça, tu le sais forcément. Est-ce que j'aurai le choix? Est-ce que c'est moi qui va choisir? Je pense que oui. Et vous faire foutre, ouais. Bon, bah j'ai décidé. Attends, prends ton bras. Comment on fait RT? Comment on fait RT, putain? C'est quoi le bouton RT, fils de pute, ta mère la pute? C'est celui-là. Celui-là. Je serai là pour toi. Quoi qu'il arrive. Comme tu l'as été pour moi. C'est un attrape-rêve. Porte-le quand tu iras au lit et j'empêcherai les cauchemars de t'approcher. Je resterai toujours avec toi. Un jour, quand tu seras grand, tu en auras besoin pour tous nous réunifier. Et quand les choses se compliqueront, il faudra que tu m'arrêtes. Tu es la seule personne qui en soit capable. Promets-moi de t'en souvenir. Sam, je t'attendrai sur la grève. Ça me revient maintenant. Tu le savais. Tu l'as toujours su. Mais je n'avais aucune certitude. Je faisais tellement de rêves à propos de l'avenir. Je ne savais pas lesquels je devais croire. C'est pour cette raison que j'ai décidé de les partager avec toi et les autres. Mais pour reconstituer le puzzle, pour arriver à trouver un sens à tout ça, il faut beaucoup de recul, et il faut du temps. Un concept qui ne signifie rien pour moi. Moi, je ne suis pas une ligne. Je suis plutôt un point fixe. Tu vois pourquoi? Tout ce que je pouvais faire, c'était te présenter toutes les options et te laisser choisir. Alors tes rêves à toi, ce sont nos cauchemars. Tu as pu mettre le doigt sur le lien, sur le fil commun qui les relie les uns aux autres. Et tu l'as fait de la seule façon possible. Pour vivre la vie, un jour à la fois. Je te remercie, Sam. Les armes sont inutiles ici. Mais celle-ci a encore un rôle à jouer. Ce
sont les liens qui existent entre les gens qui ont réunifié le monde. Et si c'est ça, ce qui compte le plus à tes yeux? Dans ce cas, je resterai sur cette grève. Je m'enfermerai et je ferai en sorte que plus personne n'entre. Enfermé, mais qu'est-ce que tu racontes? Une fois l'ultime Death Stranding lancé, on ne peut plus l'arrêter. Je ne peux pas partir, je suis coincée. Tout ce que je peux faire, c'est essayer de vous épargner le pire. Pourquoi tu dois rester sur la grève? Sam, je suis la grève. Et mon devoir est de rester ici pour m'assurer que rien ne vienne entraver l'extinction. Peu importe que ça prenne des dizaines ou bien des centaines de milliers d'années. Toute seule? C'est comme ça quand on est un AE. Si seulement j'avais fait mon travail, rien de tout ça ne serait arrivé. Mais moi, je n'en pouvais vraiment plus. J'en avais assez d'attendre. Alors j'ai fini par me dire que personne n'allait me reprocher d'avoir voulu accélérer les choses. Donc, c'est ce que j'ai fait. Ça a l'air atroce. Finalement, toi et les autres, vous avez créé des liens, des connexions. Et même si vous savez qu'il vous reste peu de temps, vous avez encore de l'espoir. Avant chacune des extinctions de masse, la vie s'est rebellée. Elle a fait ce qu'elle a pu pour évoluer et tenter de survivre. L'extinction de masse n'est pas seulement une fin, mais aussi une opportunité. Et s'il me revient d'en subir les conséquences, de me sacrifier pour cette cause, dans ce cas, je l'accepte. Même si nous ne sommes pas ensemble, nous resterons toujours connectés. Au revoir, Sam. Les armes sont inutiles ici. Mais celle-ci a encore un rôle à jouer. Ouais, prenez une décision, j'ai pris. C'est quoi? Je suis encore sur la grève là. Je pense que c'est la fin du jeu là. C'est fou ça. Cette arme a une arme à jouer. Qu'est-ce que. Je peux pas la prendre l'arme. Bizarre, ça. Ah, c'est au cas où si je refais le jeu et que je décide de. L'autre fin de lui tirer une balle dans la tête. À moins que je peux. Me barrer tout là-bas, je sais pas. On se barre si je peux.
What the fuck? What the fuck? Mais même la fin, elle est. En fait, c'est même pas une fin, c'est. Je sais pas. Je cours tout le temps. Je vais essayer de monter tout en haut pour voir. C'est... Putain, mais n'importe quoi, putain. On peut pas faire une fin normale, putain. Ah, c'est reparti, putain. À case départ ou je rêve? Ah, tu rêves pas, mec. Ok. Putain, mais il m'a fait reculer, ce fils de pute, où je rêve. Ah, ouais, c'est ça, en fait. Il m'a fait reculer. Ne dis rien, laisse-moi parler. L'heure n'est plus aux questions dorénavant. Quand tu étais petit, tu faisais beaucoup de cauchemars. Ils te sortaient brutalement du sommeil. Mais en réalité, ce n'étaient pas tes cauchemars. C'étaient les miens. D'aussi loin que je m'en souvienne, j'ai toujours rêvé de la grève. Mais pas uniquement en dormant. Ça m'arrivait aussi en plein jour. À de nombreuses reprises, dans ces rêves que je faisais, j'ai vu la fin du monde. D'innombrables extinctions passées qui ont décimé la vie sur cette planète. Et ça tournait, sans arrêt, dans ma tête. Au début, je ne comprenais vraiment rien à tout ce que je voyais. Et c'était loin d'être le pire. Je faisais d'autres rêves bien plus atroces, dans lesquels se mêlaient mort et chaos, et qui étaient l'annonce d'une extinction de masse. Telle que celle-ci. Et c'était toujours moi qui y mettais un point final, en causant l'ultime Death Stranding. Tout comme je l'ai fait là. Pour ma première opération, j'avais tout juste 20 ans. Quand j'ai ouvert les yeux la première fois, je me trouvais sur la grève. Mais quand je me suis vraiment réveillée,
J'étais à nouveau dans mon lit d'hôpital. J'étais proprement divisée entre deux mondes. Bridget, mon A, dans celui-là. Amélie, mon K, dans celui-ci. Mais apparemment, rien ne nous empêchait d'exister au même moment. Rapidement, la différence d'âge est devenue visible. Seul le corps de Bridget vieillissait, alors qu'Amélie restait immuablement jeune. J'ai donc inventé une histoire vraisemblable. J'ai raconté à tout le monde qu'Amélie était ma fille, qu'on venait de lui diagnostiquer une maladie invalidante et qu'elle n'avait pas de père. Regarde. Amélie. A lie. C'est un mensonge en anglais. Une âme qui est un mensonge. Amélie n'existait pas. Il n'y avait que moi. Et la grève. Au début, j'y voyais une malédiction. Mais très vite, j'ai commencé à me dire que ça pourrait bien m'être utile. J'ai essayé d'en apprendre davantage sur la grève. Parce que si je comprenais comment elle fonctionne, j'étais persuadée que ça m'aiderait à interpréter mes visions de l'avenir. Mais vous allez me laisser courir, putain de tarasse de merde! Par voisin. Ah ouais, la vidéo va durer 2 heures. Moi je vous le dis, hein, c'est bien parti. Hein. Je vais pas couper maintenant, ça ne sert à rien. Hein. C'est la fin. Hein, donc... ouais, que... Je m'enfuis dans les herbes. Rocher. Oh, il y avait un truc. Non? Ça a pas fait un truc? J'ai entendu un bruit. Je sais pas. Bizarre. Saute! Ya! C'est quoi là-bas? C'est juste des rochers. Le saut. Allez, là, je pouvais pas le faire bizarre. Merde, j'y étais presque, putain. Qu'est-ce qu'elle veut que je foute avec cette arme, putain? J'ai fini par me rendre compte que la grève était reliée au monde des morts. Ce qui voulait dire que quelque part, au-delà, se trouvaient les souvenirs du temps lui-même. Y compris ceux de tous les organismes ayant vécu jusque-là. Pas loin de 4,6 milliards d'années d'histoire biologique. Une histoire qui remontait même potentiellement à la création de l'univers. C'est parce que je me suis mise en quête de toutes ces connaissances que le réseau chiral et tout ce qui s'ensuit ont pu voir le jour. En faisant passer les données par la grève, nous étions en mesure d'échapper à l'emprise du temps. Des simulations qui auraient sans ça pris des années pouvaient être effectuées facilement. Tout ce que la Terre avait perdu et qui était tombé aux oubliettes pouvait être reconstitué et récupéré. Mais peu après le début de nos recherches, l'Amérique a connu sa première néantisation. Je me suis dit que le temps m'était compté, que mes pires cauchemars allaient devenir réalité. Alors j'ai fait en sorte de terminer le réseau chiral le plus vite possible. Le passé détenait toutes les réponses. Mais fallait-il encore que je trouve un moyen de les reconstituer? La solution, selon moi, ce serait un réseau qui ferait le pont entre notre monde et la grève. Alors j'ai fait des recherches sur les brises brouillards, des enfants qui ont un lien avec le monde des morts.
Qu'est-ce qui peut bien provoquer l'avènement d'un agent d'extinction? Quelle pouvait bien être l'origine des 5 extinctions de masse précédentes? En trouvant la réponse à ces questions, je devrais pouvoir empêcher la 6e. Ensuite, j'ai fondé Bridges, plus déterminé que jamais à construire un réseau chiral qui couvrirait toute l'Amérique. Mais plus je m'enfonçais dans cette guerre contre l'inévitable, plus je m'affaiblissais. Bridget avait un cancer. Est-ce que la grève me punissait? Certainement, pour mon refus de jouer le jeu comme un brave petit à eux. Et un jour, comme ça, d'un coup, mon A a disparu. Je ne pouvais plus mener mes recherches à bien. C'est là que je t'ai demandé de le faire pour moi. Et tu as accepté. C'est grâce à toi qu'on a pu achever le réseau. Et grâce à toi aussi qu'on a pu retrouver tout ce que l'univers avait connu depuis sa création jusqu'à notre époque. Nous étions en mesure de résoudre tous les mystères. Comme celui-ci. Autrefois, il y a eu une explosion. Un Big Bang qui a engendré le temps et l'espace. Mais en fait, c'était surtout une coïncidence. La matière et l'antimatière auraient dû s'annihiler réciproquement, laissant place au vide. Mais bizarrement, on ne sait pas trop pourquoi. Un grain de matière a survécu, une particule. Juste assez grosse pour générer ce monde et tout ce qu'il abrite. Un monde qui ne devrait pas exister, qui rompt l'équilibre. L'ordre finit toujours par laisser place au chaos. Et tout ce qui vit finit inévitablement par mourir. C'est comme si l'univers faisait tout ce qu'il peut pour nous ramener au néant dont nous avons émergé. J'en conclus que les 5 grandes extinctions étaient ses tentatives en ce sens. Mais étonnamment, la vie a toujours réussi à survivre à ces offensives d'envergure. Juste assez pour faire un pied de nez à la volonté du cosmos. Tu sais, je commence à me dire que c'est peut-être grâce à l'extinction qu'on arrive à échapper à l'annihilation totale. Elle oblige la vie à se battre pour survivre, pour perdurer, pour exister. C'est pour ça que les 5 extinctions n'ont fait que raviver la flamme de la vie au lieu de l'éteindre. Des cendres des morts, on peut voir émerger les vivants. Plus robustes et plus sages. Fervents défenseurs de l'héritage de l'existence elle-même. Ils défient l'univers et refusent catégoriquement de s'avouer vaincus. Leur devise, la vie réserve bien des surprises. L'extinction de masse est aussi une opportunité.
Tiens, il n'y a même plus de nom qui s'affiche là. Oh, tiens, il m'a fait apparaître là où... Ici, bizarre. Chaud. Ok. J'ai pressé deux fois la détente ce jour-là. J'ai immédiatement su que j'avais commis une erreur. J'ai trouvé ta grève et je t'ai cherché sans relâche. Ça. Te voilà enfin. Tu veux rentrer? Rentrons à la maison. Tout ce que je voulais, c'était que tu sois débarrassé de l'emprise de la mort une bonne fois pour toutes. Tout va bien. Je sais comment faire. Mais en voulant te sauver, j'ai perturbé l'équilibre fondamental qu'il y avait entre la vie et la mort. Moi qui voulais simplement te sauver. Je suis un agent d'extinction. Mon destin est en principe de mener notre espèce à l'extinction. Mais à partir de là, tu as fait partie de mon destin. Tu es devenu un rapatrié. Et le Dooms a transmis mes cauchemars à d'autres personnes à travers le monde. C'est ma faute si vous en êtes là, toi et tous les porteurs du Dooms. Très peu de temps après, le Death Stranding a eu lieu. Les morts se sont accrochés au monde. Et les échoués se sont servis de ma grève pour s'introduire et les dévorer, provoquant des néantisations. Ce qui a immanquablement mis le monde sur la voie de l'extinction. Mon devoir consistait très modestement à me sacrifier, c'est-à-dire à regarder les événements se dérouler sous mes yeux. Ou alors à précipiter l'ultime Death Stranding pour abréger le calvaire. Puisque c'était les seules options qui s'offraient à moi, j'ai préféré une fin rapide. Mais pour parvenir à déclencher l'ultime Death Stranding, il était crucial que tu sois là. De cette façon, je pouvais assister au processus d'extinction avec toi, à mes côtés. Mais à présent que tu es là, il y a une autre option. Tu peux couper mes liens. En tant qu'agent d'extinction, je ne peux pas le faire moi-même. Mais dans mes cauchemars, j'ai vu un tout autre avenir. Celui que tu avais choisi. Un avenir où l'extinction est un espoir de survivre à l'annihilation totale. Il n'y a plus aucun nom qui s'affiche là. Hein, que quand je me lève, ils vont s'afficher ces noms. Non, mais bah, ils s'affichent quand même avant les noms. Ah! Ouais, en fait, là, le truc qu'il faut que je fasse, c'est charger hein, le jeu. Et puis il a tué quoi. C'est ça.
Ce que je ne ferai pas. Parce que j'ai toujours rêvé de voir la fin du monde, putain. Donc voilà quoi. Ouais, on peut juste s'asseoir comme ça, tranquille. On peut pas. Oh putain, salut. Take me. Head on. Soon I'll come around. Lost and never found. Waiting for my Est-ce que je vais pouvoir courir tout là-bas? Thank you.
Les armes sont inutiles ici. Mais celle-ci a encore un rôle à jouer. Ouais, se reconnecter aux morts des vivants. Non. 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 Parce qu'un mec comme, lui, avec cette jouabilité. Non, 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 non. Faut pas que ça vive, ça, faut pas que ça vive. Donc voilà quoi. C'est ici que se termine le let's play de Death Stranding. Enfin! Ouais, même la fin a été putain de longue. Un truc de ouf. Bah oui, si on peut revenir dans le monde vivant. Hein. Mais je le ferai pas. Je le ferai pas. Je le ferai pas. Voilà. Il est mieux là où il est. Faites chier. Écoute-moi bien. C'est moi qui ai fait en sorte de vous réunir, Cliff et toi. Il y a une chose qu'il fallait absolument que tu saches. Tu n'as pas été abandonné. Et tu es bien entouré. Tu n'es pas seul, Sam. Il faut que tu vives. What the fuck? Ce jeu. Oh, regardez, il y a des trucs là-bas. J'ai cousu. Il y a des trucs là-bas, on est d'accord. Ok, il y a des. Ma first city. N'abandonne pas.
Il te reste encore des liens. Ah c'est quoi, je peux pas remonter à la surface, putain. Ouais, je peux plus avancer là. Enfin, ouais, j'avance plus quoi. J'ai pas l'impression que j'avance encore. Non. Ouais bon, donc voilà. Ah tu me diras, coucou, ah, ça va. Peut-être que j'avance, mais je sais pas. Bah j'avance là, putain, faites pas chier, oh y'a poisson. Ouais bon ouais, je peux pas... Okay. J'ai pas le choix, faut que j'aille voir l'autre. Mazette. Aïe. Montez au connard. Ah t'es là. Ah bah tu qui je veux. Ouais, c'est bon, arrêtez les gars. Boum, 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 boum. Depuis longtemps, nous sommes des étrangers les uns pour les autres. Séparés par des murs érigés pour notre protection. Mais à présent que le réseau chiral est achevé, nous allons pouvoir avancer ensemble et former un peuple uni. Nous sommes rassemblés aujourd'hui pour célébrer la naissance d'une nation. Une nouvelle nation pour un nouveau monde. Les villes unies d'Amérique. Par le passé, j'ai prêté serment de soutenir et protéger la Constitution des États-Unis. Et bien qu'à ce jour... Oui, 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 un nouveau monde. Parce que eux, visiblement, j'ai l'impression que les Américains, ils croient que en fait l'Amérique, c'est ça le monde, en fait, oui. C'est que l'Amérique, oui, les dirigeants et tout, c'est... En fait, le monde, ça s'arrête à la frontière de notre pays, c'est tout. Oui, bien sûr. Vous comprenez pourquoi tout le monde les déteste, les Russes, les Chinois, même les... Il y a des Européens qui les détestent parce que... Voilà, quoi, mais c'est... Waouh! Waouh, waouh. C'est quoi cette mentalité de merde? J'ai pas envie de t'écouter ce discours à la con. On est d'accord, hein. Ta mère le discours des États-Unis, nique ta mère, hein. Voilà. Sam, c'est vous que j'attendais. Lou? C'est fini. Pauvre petit, il n'a pas vraiment connu la vie. Pas dans ce monde-là, en tout cas. L'ordre de désaffectation a fini par arriver. Il y a un risque de nécrose. Son corps ne doit pas rester là. Et je me suis dit que vous voudriez vous en charger.
Vous pourriez, pourquoi pas, essayer de sortir Lou de sa capsule pour voir ce qui se passe. Mais sachez que ce serait une infraction directe à un décret officiel. Et ce genre de choses est puni par la loi. Maintenant qu'il y a une loi. C'était simplement au-delà de mes forces. Mais si l'autre option, c'est de défier le président, je ne peux pas m'y résoudre. Pas moi. J'ai compris. Je vais l'emmener à l'incinérateur. Le jeu qui se termine jamais, putain, c'est incroyable, 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 il se termine jamais, jamais, jamais. Avant que vous partiez, j'aimerais vérifier une petite chose. Je viens juste de mettre vos menottes hors ligne. Dans cet état-là, rien ne viendrait vous empêcher de les retirer. Si vous le faisiez, les UCA ne pourraient pas savoir où vous êtes, ni vous retrouver. Vous seriez invisible. Si vous utilisez l'incinérateur, vous serez automatiquement reconnecté au réseau Kiral. Je compte sur vous pour ne pas oublier tout ça. Très bien, je m'en souviendrai. Fait. A priori, pas besoin de parapluie. J'ai décidé de poursuivre le rêve de mon père, finalement. Mais rassurez-vous, pas question de fréquenter des terroristes cette fois. J'ai le soutien des UCA. On est la première société de livraison à obtenir l'approbation officielle. Vous gravissez les échelons, on dirait. C'est tout à fait mérité. Merci. Attendez, j'ai quelque chose à vous dire. Je n'ai pas tué Higgs. Je n'ai pas pu m'y résoudre. Alors je lui ai laissé le choix. La mort ou la solitude éternelle sur la grève. C'est logique. C'est pas votre genre de briser. Exactement. Je préfère réparer les choses. Les reconnecter. Je m'appelle Fragile. Mais je suis du genre coriace. Vous venez travailler pour moi ? Vous avoir serait un atout. Le monde est toujours brisé. Toujours en morceaux. Comme le reste. Mais on est encore là. On avance, tant bien que mal. Pas tout le monde. Pas moi. Merde, Sam. Notre pays est de nouveau réuni, grâce à vous. J'y ai pas ma place pour autant. J'ai plus aucun lien avec qui que ce soit maintenant. C'est comme si j'étais mort. C'est ce que je ressentais la première fois qu'on s'est vu. Je le ressens toujours. Vous avez changé, vous le savez bien. Vous avez appris à toucher, à ressentir. Vous avez créé des liens. Avec nous. Je perds tout ce que je touche, sans arrêt. Sam ! Je
Allez, Lou. Une dernière livraison. Il n'y a pas de fin dans le jeu, j'ai l'impression que c'est incroyable. Il n'y a pas de fin, ça continue encore et encore, il vous trouve toujours. Bon, on se retrouve pour une autre vidéo.